Hey, bonjour à tous les bêtes, pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo particulière, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai vu une application très utile. Hein. Attendez, j'ai vu une application très utile pour faire les intros sur YouTube. Ça marche en 4.4.2. Parce que j'ai un téléphone 4.4.2, ça marche sur 4.4.2. Et ça marche aussi sur toutes les versions. Voilà. Après, je sais pas si ça marche en 4.4.0, je sais pas. Voilà, donc vous allez marquer intro montage ou intro vidéo. Voilà, et c'est le premier intro movie vlog. Voilà, vous cliquez dessus, vous cliquez dessus après. Après, vous arrivez sur une interface comme ça. Interface comme ça, après avec le payant, vous imaginez qu'avec le payant, quand même, cette application est trop jolie pour pas être payant. Voilà, donc là, c'est premium. Attendez qu'il charge. Donc là, ça c'est tous les premium qu'on ne peut pas utiliser. Tout avons qu'à utiliser ça comme truc vidéo. Ah, par sens, ouais, par sens, qui joli. Bon, on s'égare de notre truc. Donc là, du coup, là, je choisis un truc au hasard. Celui-là. Voilà, quand même au hasard, celui-là. Alors, oui, il y a quelques pubs pour que l'appli marche. Puis c'est pire, il fait des pubs. Alors, je vais striker par YouTube, moi. Pas grave, je vais mettre la vidéo non. Ouais, pas grave. Donc, venons au début. Quand vous arrivez, vous êtes comme ça. Je vous conseille. Attendez. Je vous conseille de mettre pause. Dès le début, vous mettez pause. C'est le truc ici. Attendez. Attendez. Voilà, regardez. C'est le petit truc ici, où il y a mon doigt, qui s'appelle pause. Là, on est sur titre, donc texte, c'est truc. Je marquais au hasard, je marquais ma chaîne. Vous avez vu de voir, je marquais ma chaîne. Donc, rétro, je marquais rétro d'abord. Voilà. Et après, deuxième texte, c'est tout, vous pouvez effacer. Troisième texte, je marquais mon nom. Cédric, voilà. Là, vous faites OK. Par exemple, tout va bien. Vous pouvez même rajouter des textes. Oula, j'ai. Ah, il faut payer par contre. Ah, au-dessus 3 textes, il faut payer. Je trouve ça pas classe, mais ouais. Donc là, après, vous pouvez bouger les trucs. Hein. À droite, à gauche, vous pouvez les monter. Vous pouvez grandir de taille, vous pouvez les espacer. Hop là, c'est quoi espacer, mais donc là, espace, c'est l'espace, c'est la grandeur entre chaque truc. Et ici, c'est la taille. Donc la taille, voilà. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais un peu éclaircir. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Et si vous voulez revenir, vous mettez texte 1. Voilà. Texte 3, texte 1, même texte 2 si vous voulez marquer juste un truc au milieu, ça marche aussi. Regardez, si je marque attends, rétro Cédric, rétro The Cédric, je marquais ça, hein. Je marquais T, mais pas grave. Après, revenons à ce texte là, je vais un peu l'agrandir et le espacer. Voilà, donc là pour l'instant ça va. Voilà, et maintenant on va passer aux couleurs. Voilà, couleurs. Donc là, vous avez Réseau Cédric en couleur, vous pouvez choisir votre couleur vous-même, comme ça. Après, vous pouvez doser le truc. Moi, je vais mettre ça un bien rouge. Hop là, bon, bien rouge comme ça. Et maintenant, texte 3, je vais choisir la couleur. Moi, je vais choisir au hasard cette fois. Ah, on va pas assez. Voilà, un bon fichier qui pète. Alors je rappelle, l'application marche aussi sur 4.4.2. Voilà, je répète beaucoup de fois. Parce que c'est aussi bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de trucs qui marchent en 4.4.2. Voilà. Et là en fait, juste en bas, vous avez Regular, T-Regular, Egg et le rond. Vous pouvez cliquer pour changer de forme.
Vous avez celui-là, celui-là. Moi, je vais pas tous les faire après, mais voilà. Après, vous avez les spéciales que je trouve très classe aussi. Mon préféré, c'est celui-là. Voilà. Après, vous avez movie, mais après, movie, c'est payant. Et après, tout est payant. Bah, c'est déjà pas mal. Bon, je vais faire un truc au hasard. Celui-là, non, attends. Non. Bah, un truc comme joli, non. Celui-là et pour le troisième. Pour le troisième, un truc tout banal. Celui-là, voilà. Après, vous avez ajusteur que j'ai montré. Score, c'est tout ce qui est au fond. Attends, je sais pas si on va voir. Je vais mettre une couleur bien pétante aussi, le bleu. Pardon, le bleu. Voilà, une couleur bien pétante. Voilà, regardez si vous voyez bien. Attends. Ajuster. Voilà, regardez si on voit bien. Attends, espace. Hop là, voilà. Moi, ça marche pas sur celui-là. Je vais marquer sur celui-là alors. Attends, je vais marquer aussi un bon rouge fuchsia. Un bon bleu, voilà. Pour bien marquer le truc. Regardez, voilà. Alors, ça, c'est juste pour donner du fond. Et ça, j'ai pas compris à quoi ça servait. Ah, ok. C'est le fond du truc en fait. Vous pouvez baisser ou le mettre sur le côté le fond pour donner une petite allusion. Voilà, une petite allusion bizarre. Je vais passer à celui-là pour voir. Hop là, celui-là. Hop là, un bon rose, c'est bon, allez, calme-toi. Hop là, voilà un bon rouge. Pour bien montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant que j'ai fini tout ça, je vais passer en haut. Va aller dans le haut. Vous avez un truc sur le côté, une double fenêtre. C'est pour ajouter des effets sur le truc. Donc je vais mettre un effet comme ça. Comme ça, voilà. Puis après, vous avez le cercle bizarre. C'est le mouvement des textes. Retenez bien, le mouvement des textes. Si vous êtes au collège, vous avez déjà utilisé OpenOffice Impress, ça devrait pareil, tu vois. Donc ça c'est durée des trucs. Comme ça, vous pouvez mettre ça comme ça. Non, je vais essayer en. Attendez, j'essaie depuis le poids de calculer. Ouais. Tac, voilà. Je mets en 50 et en speed, je vais mettre en. Si je peux vous montrer. Attends. Voilà, hop là. Donc vous pouvez faire comme ça. Troisième texte, vous pouvez faire un truc comme ça après. Hop là, voilà. Et après, vous êtes dans la musique. Bon, pas seulement je prends de musique, vous pouvez mettre votre propre musique. Après, présélectionner. Hein. Attends, moi je trouve ça. Voilà. Hop là. Tout présélectionner. Musique. Voilà, moi j'ai pris cette musique, ce sera une musique dans Lost Mine. Voilà, je prends tout de suite. Hein. Hop là, voilà, mettre pause s'il te plaît. Merci. Dans la musique. Ok, voilà, vous pouvez aussi recorder vous-même. Ah, c'est payant. Voilà, et après vous avez fait tout ça. Après vous êtes sûr que vous avez fini. Vous cliquez ici. Je clique, ça va progresser mon truc hein. Et je répète ce truc est en 4.4.2, voilà. Après je sais pas s'il marche correctement en 4.4.2, mais pour l'instant il marche. Ah oui quand même. Donc là aucune petite pub. Après vous pouvez faire en merde. Attendez. Après vous pouvez faire n'importe quelle qualité. 1080p, 720p, 40p ou voilà. Bon, je parle juste là, mais c'est un exemple. Voilà, donc c'est un exemple. Maintenant que j'ai fait ça, attends mince, attends mince, j'aurais peut-être dû mettre l'exemple. Attendez. Bon après, d'abord je m'en fous. Après l'exemple, je la jette. Voilà. Alors je répète, cette application à 4.4.2. Ouais, je vais devenir chiant avec ça.
Mais il faut le dire, parce que moi j'ai cherché beaucoup d'applications qui ont pu filmer en 4.4.2, j'ai pas trouvé quand même. Bon, je vais mettre la pire qualité du monde. Que j'utilise pas une vidéo, bien sûr. Parce que. Ouais, bah, pas grave. Parce que mon téléphone. Pardon, j'ai bugué. Parce que mon téléphone ne peut pas plus. Je vais changer de téléphone. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, là, je l'ai. Je vais mettre pause 2 secondes. Donc, maintenant que je l'ai regardé, on la regarde. Wow, que c'est moche. Wow, que c'est petit, surtout en fait. Voilà, ok. Par contre, là, ici, vous voyez? Vous voyez là, voilà, que je regarde vers ça avec mon doigt. Vous voyez mon truc comme ça? Vous, vous, vous. Regardez ici. Il y a intro Maker. Bon, ok, ça, on veut pas l'avoir. Du coup, on retourne sur le Play Store. Voilà, on retourne sur le Play Store. On va télécharger vidéo. Ça marche pour toutes les vidéos. Enfin, ça, par contre. Rogner une vidéo. Voilà, on va chroner une vidéo. Vous allez faire application. Attendez une seconde. Pardon, 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 pardon. Moi je suis collégien, voilà. Ma mère avait appelé vite fait. Bon, pour l'instant, et après là, vous allez dans vidéo crop. Voilà, vidéo crop. Je vais mettre tout ça en. Je vais mettre tout en description. Voilà. Vidéo crop. Vous cliquez dessus. Vous allez faire installer, voilà, tout simplement. Ah oui, c'est 2 vidéos en 1. Voilà, je vous dis comment faire. Et voilà. C'est pas mal. Donc là, vous avez que ça charge, tout ça. Puis, ben, bien sûr, vous allez faire tout from gallery. Celui-là, hop là. Une seule fois. Vous allez après sur. Non, pas vidéo crop, mais. Intertro comme ça, vous prenez celle-là, oui bien sûr. Après vous allez faire costume, customiser. Ouais. Alors oui, alors oui, certes, vous avez perdu un peu de. Ça donne quoi? Attends, mais ça donne quoi en plus grand? Il faut prendre lequel? Il faut prendre le. Attendez. Hop là, je veux pas ça, mais par contre, je veux l'autre. Attendez, attendez, je prends un 16.16, c'est tout. Donc, du coup, je vais faire ça comme ça. Et normalement, je vais enregistrer. Enregistrer. Voilà, la vidéo commence à être un peu longue, par contre, pour un tuto. Vous croyez pas? Moi, si. Donc là, du coup, ok. Donc là, du coup, il nous prévient que la vidéo est enregistrée. Du coup, on va la voir. Voilà, la vidéo est faite. Sans qu'un mot. Eh, malin, bâton poubelle, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Et belle Sylvaine, restez comme vous êtes.